Bonjour à tous. Bonjour à tous. On m'a invité ici aujourd'hui pour donner un crash course en design de visualisation de données. C'est ce que je vais essayer de vous faire en une heure et demie. Et qui suis-je pour qu'on m'invite à donner ce crash course? Je suis professeur à l'École Polytechnique de Montréal. Et en fait, j'ai un background assez multifacette. J'ai d'abord un background assez important en modélisation d'images et multimédia. Je fais ça depuis une quinzaine d'années. Mais depuis environ maintenant 5 ans, je fais aussi de la visualisation de données et tout ce qui touche aux sciences des données. Et je suis en train de graduer aussi en journalisme, ce qui va expliquer aussi pourquoi de nombreux exemples que je vais présenter ici en visualisation de données sont des exemples issus des médias. Donc j'enseigne et je fais de la recherche à la Polytechnique Montréal et j'y donne en fait probablement le seul cours en visualisation de données à Montréal qui est le cours INF 8808 donc à un public cible qui est des ingénieurs en génie logiciel et génie informatique mais qui s'intéresse donc au design de visualisation de données. Le crash course que je vais donner aujourd'hui, c'est vraiment uniquement sur le design des visualisations de données. Je ne parlerai quasiment pas des outils qui permettent ensuite de faire ça, et ni de tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire la collecte des données, le nettoyage des données, qui sont des étapes aussi très importantes. Si vous voulez avoir plus de détails sur justement ce cours-là, puis les autres thèmes de recherche que je poursuis avec mes étudiants, il y a le lien à ma page web. Dans ce cadre-là, celui de la visualisation de données, j'ai collaboré il y a quelques années avec Radio-Canada, et depuis 2015, je collabore beaucoup avec Le Devoir aussi et des étudiants donc, qui produisent pas mal de visualisations de données qui sont publiées sur Le Devoir. Fait que finalement, de mon point de vue, aujourd'hui, le challenge pour moi, pas du vôtre là, c'est d'arriver à condenser un cours universitaire de 45 heures en 1h30. Fait que si je vous le dis comme ça, ça ne doit pas peut-être beaucoup vous impressionner, mais si je vous montre en quoi ça correspond en fait en termes de visualisation, ben là tout de suite vous vous rendez compte un peu du challenge que c'est. Et je pourrais presque m'arrêter là finalement, mais il y a deux choses à dire quand même. Mais c'est là, vous avez là en fait une des raisons essentielles pour laquelle c'est intéressant parfois de faire de la visualisation de données, c'est que notre cerveau et notre perception visuelle va interpréter de manière beaucoup plus efficace le ratio qui est entre ces deux nombres ici, en les représentant sous deux barres dont la longueur est corrélée au chiffre qu'ils représentent. Qu'est-ce que c'est au fond une data viz? Alors il y a plusieurs définitions. Quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça, qui s'appelle Alberto Quero, propose cette définition-là. Donc une visualisation, c'est tout support visuel qui va permettre de montrer, de révéler une preuve ou de rendre visible ce qui est invisible. Il y a un petit côté quasi philosophique à ça. S'il y a un livre que je vous conseille de lire en premier, si vous voulez vous introduire un petit peu à ce domaine-là, c'est celui-ci. Fait que finalement, le message derrière sa définition, c'est qu'une visualisation de données, c'est d'abord et avant tout une transmission d'informations via une représentation graphique. Puis ça, c'est un message que je vais peut-être un peu marteler aujourd'hui, mais c'est un exercice de communication. Et on utilise une représentation visuelle pour optimiser ou maximiser l'efficacité de cette transmission d'informations. La définition que je donne moi souvent à mes étudiants quand ils arrivent, par exemple, c'est qu'une visualisation de données, c'est une représentation visuelle d'informations servant un objectif. Il y a trois choses qui sont importantes dans cette définition. Et le message quasiment le plus important que j'aimerais marteler aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que tu entends par format? Quel graphe troisième pour représenter les données qu'on doit représenter? Ça, c'est ce qui arrive en dernier, en fait. Ah oui? Ouais. Puis c'est souvent le défaut naturel au début qu'on a, c'est de raisonner en termes de comment je vais le représenter. Alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Donc il y a trois choses importantes dans cette définition.
Et justement, la chose la plus importante qui va à l'encontre de notre naturel au début, c'est il faut d'abord raisonner surtout en termes d'objectifs. On part toujours en premier des informations qu'on a entre les mains, mais la deuxième chose à laquelle il faut réfléchir, c'est vraiment expliciter l'objectif que vous avez avec ce jeu de données-là. Et pas partir bien en tête sur comment je vais le représenter visuellement finalement. Et c'est en fonction de l'objectif que vous avez avec ce jeu de données-là que va découler, via un processus de design, une certaine représentation visuelle, un certain nombre de choix visuels que vous allez faire et qui vont servir à optimiser finalement le message que vous voulez passer, l'objectif que vous voulez atteindre ou la question à laquelle vous voulez répondre via cette visualisation ou la question à laquelle vous voulez que les utilisateurs arrivent à répondre avec cette question. Donc tout découle d'un certain objectif, un ou plusieurs. Et c'est-à-dire que pour un même jeu de données, on peut avoir un certain nombre d'objectifs différents qui vont donc donner un certain nombre de visualisations différentes. Ces trois finalement entités-là correspondent à une certaine formalisation de ce que peut être une visualisation de données et répondent aux trois questions qui sont le what, quel sont le genre de données que vous avez, qu'est-ce que vous voulez faire avec le why et comment vous allez représenter ça. Fait que, juste pour insister sur cette idée-là, vous avez là une visualisation d'un même jeu de données qui est le réseau de métro à Montréal, mais avec deux représentations différentes, deux cartes que vous avez l'habitude de voir, j'imagine, et elles servent deux objectifs différents. À gauche, l'objectif de cette visualisation, c'est pour un utilisateur du métro de se repérer dans le réseau souterrain. Où est-ce que je dois changer de métro, si je veux me rendre à telle station, en partant de telle station, quelles sont les connexions, etc. À droite, c'est complètement différent. C'est au contraire d'arriver à bien représenter comment se situent les stations de métro par rapport aux éléments de terrain, aux éléments de surface. Parce que sachant que je me rends à telle station de métro, ça se situe par rapport à tel quartier, de quelle manière. Deux objectifs différents, deux représentations différentes. Et on peut imaginer d'autres représentations ici. Là, c'est le temps de marche entre les stations de métro qui est représenté, en plus de la première représentation qu'on avait tout à l'heure. Donc c'est par exemple, si je suis dans le centre-ville, que je sais que je vais me rendre à une certaine station de la ligne orange, est-ce que ça vaut plus la peine de marcher jusqu'à la station Lucien Lallier plutôt que de faire un changement, par exemple, à Lionel Groulx. Et on peut imaginer comme ça toutes sortes d'autres représentations visuelles. Pourtant, le jeu de données varie très peu ici. Ici, c'est une représentation du métro de Boston ou par rapport à une station qui est centrale à Boston. On représente le temps de transport, cette fois en métro, jusqu'à certaines stations, d'une manière complètement radiale, qui ne respecte pas du tout la géographie de Boston. Et ce n'est pas le but ici. Donc c'est pour ça que c'est très important de réfléchir et d'expliciter le but de vos visualisations, en amont. Donc pour faire quoi ? À quoi peut servir une visualisation de données ? On peut catégoriser ça en trois buts globaux, enregistrer des informations, j'en parlerai pas beaucoup parce que je pense que ça ne vous concerne pas, et ensuite analyser de l'information ou simplement présenter quelque chose dans un but de convaincre par exemple un auditoire. Analyser de l'information, on le fait très souvent, par exemple les météorologues utilisent tout un tas de représentations pour prendre des décisions et analyser des choses. Ça, c'est une des plus vieilles visualisations de données extra connues, peut-être que certains l'ont déjà vu. C'est pas très très joli, mais ça représente quoi ? À une époque où il y avait une épidémie de choléra à Londres, il y a un épidémiologiste qui a représenté les décès dans un quartier. Vous avez comme ici des bar charts, ici, selon l'adresse. Et il représentait aussi sur cette carte les puits où les gens allaient, c'est au 19e siècle, allaient prendre de l'eau finalement. Et en faisant cette représentation, il s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre les puits où ils allaient se prendre de l'eau et où les gens, finalement, tombaient malades. Donc ça, c'est un grand classique. Et il y a des choses comme ça qui sont très anciennes et qui pourraient paraître très originales aujourd'hui, mais en fait, qui ne le sont pas. Ici, on a une représentation des décès dans une campagne militaire en fonction du temps, puis en fonction aussi du type de cause du décès. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait avec Radio-Canada, où on pouvait analyser finalement les dépenses d'un député lors des élections fédérales en 2015.
Donc ça, c'est des exemples d'applications où on mettait cet outil-là, cette visualisation entre les mains du lecteur ou d'un utilisateur pour qu'il comprenne des choses, pour qu'il émette des hypothèses puis qu'il les valide. Une carte ici, peut-être que vous avez vu ça aussi, pour qui ont voté vos voisins à l'échelle du bureau de vote, donc d'un pâté de maison, ont représenté les résultats de la précédente élection. Ça permettait de se rendre compte qu'à l'intérieur d'une circonscription, il y avait des choses qui étaient très variables. Et très récemment, là, il y a une semaine ou deux, un outil qui permettait de représenter et de comprendre l'impact des promesses électorales sur un budget provincial. Dans un but de simplement communiquer quelque chose, là aussi, un grand classique, une campagne militaire, les troupes françaises, quand elles sont rendues en Russie, puis vous avez ici, entre le départ de la France jusqu'à l'arrivée à Moscou et le retour, le nombre de militaires finalement qui diminue, notamment à cause du froid et de l'impréparation des militaires de Napoléon. En fait, ma présentation qui est disponible en ligne, j'avais le lien au début, à chaque fois que vous avez un petit symbole de chat en bas à gauche, c'est que c'est cliquable. Donc vous pouvez aller voir, ici c'est une vidéo aussi, un grand classique, Hans Rosling, qui présente tout un tas d'animations qui montrent la corrélation entre le revenu par habitant et l'espérance de vie. Vraiment un exercice de communication extrêmement convaincant. Ici, c'était sur les chutes de neige, ça permettait de repérer des patterns aussi, etc. Ça aussi, c'est très récent, on l'a sorti il y a quelques jours. Les résultats de la dernière élection, chaque ligne est un indicateur, comme le taux de chômage ou le taux de francophones, anglophones, etc. Le bleu clair, c'est les circonscriptions caquistes. Puis on se rend compte qu'il y a quasiment un profil type, finalement, dans les circonscriptions, c'est-à-dire que les circonscriptions qui ont voté CAC sont des circonscriptions avec beaucoup de francophones, très peu d'allophones, un taux de chômage relativement faible, etc., etc. Une carte simplifiée du Québec aussi qui permet de se rendre compte de ça. En fait, la CAQ se répartit beaucoup sur les zones rurales. Ça, c'était pendant le débat des chefs, une visualisation des attaques qui étaient portées entre les chefs. On se rendait compte que le Parti libéral avait encaissé le plus grand nombre d'attaques pendant le débat. Pourquoi en faire ? Et non pas pour faire quoi ? Pourquoi en faire ? C'est une des raisons pour lesquelles on se repose sur une représentation visuelle. C'est que notre cerveau est extrêmement puissant visuellement, mais est quand même limité, et que face à l'explosion du nombre d'informations, on a besoin de ce genre de représentation pour justement l'aider à encaisser éventuellement une grande quantité d'informations. Donc il y a tout un tas de pourquoi qu'on peut se poser, et je ne passerai pas à travers tous, mais qui justifie qu'on fait ce genre de choses. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il est important de montrer plus souvent les données dans le détail plutôt que d'essayer de les réduire. Vous avez ici quatre jeux de données, 1, 2, 3, 4 en haut, un ensemble de couples XY, c'est des couples XY qui sont assez différents, mais chacun de ces jeux de données, du premier au quatrième, a la même moyenne, le même écart type, la même régression linéaire, un certain nombre d'indices statistiques comme ça qui sont exactement pareils. Mais par contre, si on les monte dans le détail, on se rend compte que c'est des jeux de données qui sont très très différents. Et il faut mieux se reposer finalement sur notre capacité à regarder ces jeux de données dans le détail plutôt que d'essayer de les réduire. Là encore, si je vous montrais, c'est un peu comme tout à l'heure quand je vous ai juste dit les deux chiffres, 45 heures, 1h30, si je vous montre ce jeu de données-là, un tableau, et que je vous dis que c'est un certain nombre d'écoles avec leurs scores en mathématiques puis en littérature, ben vous allez avoir un peu de peine si je vous pose certaines questions, comme par exemple quelle est l'école où ça performe le mieux, etc., à répondre à ce genre de questions. Alors que si je vous représente ça sous forme de scatter plot selon le district ou que je le mets ensuite sur une carte, vous allez pouvoir faire des hypothèses et y répondre beaucoup plus efficacement. Pourquoi est-ce qu'il faut se reposer sur le système visuel humain? On a tout un tas de mécanismes câblés en fait entre la rétine puis le cerveau, et dans le cerveau aussi à des niveaux très bas qui permettent de faire des choses extrêmement puissantes qui vont peut-être vous paraître finalement assez absurdes, banales ici, mais qui explique que, par exemple, si je mets en relief comme ça un petit personnage rouge, on va le voir instantanément, en fait, peu importe le bruit dans lequel il est plongé. Puis ce genre de mécanismes pré-attentifs, on les utilise et il faut les utiliser aussi en visualisation. Donc finalement, on peut aussi voir la visualisation, c'est une autre définition, comme un outil
qui va permettre de booster nos capacités cognitives pour faire certaines tâches. Est-ce qu'on peut formaliser le design d'une data vise? Oui, je l'ai un peu montré. On peut aller encore plus loin dans la formalisation, je ne rentrerai pas là-dedans, notamment donc tout ce qu'on peut faire au niveau du why. Mais c'est juste pour vous éveiller, parce que je sais que c'est ce qui est moins naturel, au fait d'expliciter vraiment ce que vous voulez faire avec votre visualisation. Et pas juste dire, bon, j'ai ce jeu de données, comment je vais le représenter, puis on fera des choses intéressantes avec ça. Non, non, c'est quoi votre but avec ça? Est-ce que c'est que l'utilisateur arrive à identifier une tendance? Est-ce que c'est que l'utilisateur va reconnaître ou isoler des points qui sont hors de la tendance, justement? Donc, et ça, vraiment, il faut l'écrire mot pour mot sur une feuille en vous disant, ma visualisation, elle va servir à aider à faire ça. Voilà un exemple ici, s'il veut bien démarrer. Donc avec des courbes de température, alors on ne les voit pas très bien, mais c'est bleu ici, depuis donc la fin du 19e siècle, courbe de température à l'échelle mondiale, puis avec les mois autour. Et quand on voit ça, c'est quoi le but principal? Qu'est-ce qu'on voit le mieux finalement avec cette visualisation? Ce n'est pas qu'en telle année, à tel mois, il s'est passé telle température. C'est les choix de représentation qui ont été faits permettent tout de suite de voir plusieurs choses. Premièrement, une tendance. À partir des années 1950, les courbes s'écartent beaucoup plus vite du centre. Alors qu'avant les années 1950, elles ont tendance à être recouvertes les unes sur les autres. Deuxième chose, c'est que les dernières années sont vraiment hors de cette tendance. Les dernières courbes qu'on voit, 2016, voilà. Donc ça, c'est là où cette visualisation est la plus efficace, là où les choix de représentation qui ont été faits, de montrer des courbes qui se tournent autour d'elles-mêmes et de l'animer, c'est dans ces deux objectifs-là qu'elle est la plus efficace. Ici aussi, c'était de prendre des données de recensement, c'est Radio-Canada qui a fait ça, et puis encoder à chaque station de métro certains indices du recensement. Comme ici, si je me souviens bien, le pourcentage d'immigrants. Donc on va voir par exemple que sur le côté ouest de la ligne orange, il y a un fort, quartier de Côte-des-Neiges et autres, il y a un fort taux d'immigrants. Donc là encore, c'est d'arriver à reconnaître cette tendance-là et de tirer certaines conclusions aussi. Ce qui a été fait ici, c'est qu'on a pris le réseau de métropolitain. On a mis les stations de métro là où elles sont vraiment géographiquement sur l'espace et on a ensuite décidé d'encoder la taille de ces disques, le rayon de ces disques, avec une valeur qui est la valeur choisie à gauche, le pourcentage d'immigrants. Cette opération, c'est ce qu'on appelle le mapping, cette opération d'encodage. Donc, à quelle variable visuelle j'associe quelle valeur dans ma donnée finalement. Donc, en termes de formalisation, on va parler de marques et de canaux. Les marques, c'est les primitives géométriques qu'on va utiliser, un point, une droite ou une surface. Donc dans l'exemple du métro, c'était la surface. Alors que les canaux, ça va être justement quelle variable visuelle on va connecter à cette primitive. Donc par exemple, si je reprends l'exemple du métro tantôt, ça va être l'air de ma surface. Et la couleur, elle, sert à encoder la ligne de métro. Donc il y a tout un tas de variables visuelles qu'on peut utiliser. Et elles ne sont pas toutes aussi efficaces les unes que les autres. Il y a tout un tas de travaux qui ont été faits, justement pour mesurer un peu leur efficacité. En particulier, selon le type de variable, le type de données que vous essayez d'encoder. On peut distinguer trois types de données. Des données quantitatives, un chiffre. Des données qui sont juste ordonnable, par exemple les tailles d'un t-shirt, small, medium, large, etc. Et puis des données qui sont purement de type catégorie, comme par exemple le sexe, homme, femme. Donc selon le type de variable que vous avez, certaines choses vont être plus ou moins efficaces. En particulier, tout ce qui est la teinte, quel genre de couleur est-ce que c'est, on ne va pas utiliser ça pour faire du quantitatif, c'est vraiment pas une bonne idée. En revanche, si c'est une variable de type catégorie, oui, bon, c'est une bonne idée d'utiliser la couleur si vous n'avez pas trop de catégories. Au-delà de 7 à 10 catégories, on n'arrive plus à reconnaître efficacement. Ce qu'on remarque,
Vous avez un autre exemple ici d'ordre justement d'efficacité, quel que soit le type de variable, c'est que la position, c'est toujours le plus efficace. Hein, la position dans l'espace, x, si c'est juste sur une droite, ou x, y, c'est ce qui va avoir de plus efficace. Mais c'est souvent aussi ce qui est pris en premier. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt finalement à aller un peu plus bas? C'est parce que parfois, ben, les premières sont déjà utilisées. En particulier sur des cartes. Donc voilà quelques exemples. Si on regarde formellement qu'est-ce que c'est, un bar chart, c'est des primitives qui sont 1D, c'est des traits. Et il y a deux canaux ici qui sont utilisés, la longueur du trait et puis la position en XY le long horizontalement. À droite, un scatter plot, c'est des primitives 0D, sans dimension, des points, et avec deux canaux ici, XY. Si j'ajoute une certaine couleur, je lui rajoute un canal couleur qui va encoder quelque chose de différent. Et si je me mets ensuite à faire varier la surface de ces points, ben je rajoute encore un quatrième canal possible. Ça veut dire que j'encode finalement quatre attributs. Deux en position, un en couleur et un en surface. C'est juste que je comprends pas comment c'est 0D. C'est un point, c'est-à-dire que ça n'a pas de dimension finalement. Les données, le même, peuvent avoir. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ta marque finalement qui est sans dimension, c'est un point. Ouais. C'est quoi le nombre maximum de données qu'on peut visualiser pour que ce soit, qu'on puisse le comprendre là? On voit souvent 3, 4. Le nombre de canaux ou le nombre de données? Tout à l'heure on avait géographie, on avait le type de métro, puis on avait le pourcentage d'immigrants, là il en a été 3. Ouais. Jusqu'à combien on peut en additionner comme ça? C'est une bonne question et je pense pas qu'on est capable de répondre à ça, mais c'est vraiment en fonction du type de canaux justement que tu vas utiliser. Et c'est pas beaucoup, non. Ouais. C'est pas beaucoup. Par contre, le nombre d'items que tu peux mettre, lui, il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense là. Oui. Pour la position, ça peut être aussi quantitatif. Par exemple, pour le premier dessin. Oui. C'est pas forcément, par exemple, la position n'est pas forcément pour les données catégoriques. Tout à fait. Là, c'est l'exemple d'un bar chart. Bar chart, ouais, c'est catégorique, mais ça peut être quantitatif, comme ça l'est ici, hein, deux positions quantitatives ici. Ouais. Voilà un exemple concret. C'est une carte qui représente la sécheresse, le phénomène de la sécheresse aux États-Unis sur 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme canaux? Juste pour, comme ça, s'amuser à voir un peu les choix qui ont été faits. Donc ils ont découpé le territoire des États-Unis en petits hexagones de même taille. Et au milieu de chaque hexagone, ils ont mis un point, ou plutôt un disque. Donc c'est une marque 2D dont la taille va varier. La taille va représenter la fréquence de la sécheresse, c'est-à-dire le nombre de jours sur les 5 ans qui ont été considérés comme étant à un moment donné en période de sécheresse. Et la sévérité de la sécheresse, c'est quelque chose qui est de type catégorie, on a 5 valeurs. Ça, c'est l'institut qui s'occupe justement de surveiller la sécheresse aux États-Unis, qui a 5 stades de sécheresse. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5, en fonction de l'impact sur les réseaux, sur les nappes phréatiques, etc., etc. Donc, vous avez ensuite une carte comme ça, qui représente les endroits où c'est à la fois le plus fréquent et le plus sévère. Et ça, c'est un exercice que je vous encourage à faire. À chaque fois que vous voyez une visualisation, vous pouvez justement essayer de faire du reverse engineering et de revoir un petit peu les choix qui ont été faits. Un exemple ici sur la quantité de personnes décédées à cause d'une arme à feu aux États-Unis. C'est des marques, bon, on ne le voit pas très bien, mais c'est des petits points en fait. Donc c'est des marques 0D. Il y a la couleur qui indique une certaine catégorie ici, tout ce qui est de ce côté-là. C'est les décès par suicide. Donc on remarque tout de suite qu'une grande partie donc des décès à cause d'armes à feu sont des suicides. Et sur ces suicides, 85% sont des hommes. Donc on peut dégager certains principes à l'égard des marques et des canaux. Premièrement, le canal choisi doit exprimer toute et uniquement l'information de la tribu. Donc les données ordonnables doivent être encodées avec un canal qui donne la perception d'un ordre. Je vais montrer des contre-exemples après. Et les données catégorisables ne doivent pas être encodées avec un canal qui donne la perception d'un ordre. C'est un peu le corollaire. Et on pioche dans les attributs qui sont les plus efficaces au fur et à mesure. On ne fait pas de la redondance,
C'est-à-dire qu'on va pas encoder deux fois une même information avec deux canaux différents. Et on fait de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'on va faire des longueurs, par exemple pour les barres chasse, qui sont proportionnelles à la valeur qu'on encode. Voilà des contre-exemples. À gauche, deux canaux redondants. Vous avez à la fois l'angle du pie chart et la grosseur du pie chart qui encode la valeur. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Et puis vous avez des choses qui se veulent être un bar chart, mais qui n'ont rien à voir en fait. Finalement. On peut regarder au niveau justement de l'efficacité des canaux. Il y a cinq caractéristiques qui sont intéressantes. Et notamment, je vais attirer votre attention sur celle-ci, la précision. C'est important de choisir les canaux qui permettent de, au mieux, estimer la différence entre des valeurs. Et tous les canaux ne sont pas égaux face à ça. Pareil, si on a beaucoup de valeurs différentes, on va essayer de prendre des canaux qui ont la plus grande amplitude, c'est-à-dire la capacité. Nous, on va avoir la capacité à distinguer un grand nombre de valeurs sur ce canal-là. Par exemple, si on pense aux couleurs, c'est beaucoup plus difficile en utilisant la couleur pour nous de distinguer beaucoup de valeurs que si on les place dans l'espace finalement. Donc le canal position, c'est pour ça aussi qu'il est très performant, c'est qu'il est, selon ces cinq qualités-là, il répond assez bien. Voilà l'exemple d'un scatter plot. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup de scatter plot aussi, c'est que c'est les deux canaux position qui sont utilisés et on sait que c'est les plus efficaces. Donc on peut regarder à travers, on va passer à travers comme ça tous les types des canaux, longueur et taille, qui était le deuxième le plus efficace aussi. Ça c'était une représentation au moment des Jeux Olympiques où on montrait justement que Michael Phelps, à lui tout seul, avait tellement de médailles qu'il en avait plus que certains pays depuis une quinzaine d'années. Donc il se comparait à certains pays finalement. Un bubble chart ici, donc on encode le nombre de mots qui ont été mentionnés dans des réseaux sociaux en fonction de la taille de la bubble. Luminance saturation, on est souvent tenté d'utiliser ça, mais je vous conseille là aussi de l'utiliser quand les autres canaux ont déjà été utilisés finalement. Parce que c'est pas ce qu'il y a de meilleur, par exemple, en termes d'amplitude, comme je le mentionnais, et en termes de précision aussi. On va voir que deux valeurs sont différentes si on a deux représentations de surface avec une luminance ou une saturation différente. Ça, on est quand même assez doué pour ça. Par contre, pour estimer les écarts, ça va être beaucoup plus difficile. Mais c'est quand même ce qu'on utilise souvent, par exemple, dans de la cartographie, parce qu'en cartographie, les deux positions sont utilisées. Et on est contraint aussi par le fait qu'on a des surfaces à coloriser. Ça, c'est un choroplète, c'est-à-dire une carte où on a colorisé des régions, un découpage en régions de la carte. Donc la couleur à utiliser quand on a des choses de type catégorie. Voilà un exemple à ne pas faire. C'est ce qu'on appelle souvent une représentation en fausse couleur. Donc on va utiliser une échelle avec beaucoup de couleurs différentes. C'est très efficace dans le sens où ça va faire ressortir des choses, mais c'est très biaisé aussi. Si vous changez un petit peu ça, vous allez faire ressortir des choses complètement différentes dans votre carte. Donc ça, c'est à ne pas faire. Là aussi, une autre représentation, les États-Unis. Et on va avoir tendance à voir ces choses-là comme étant un peu plus froides, voire un peu moins présentes finalement, par rapport à ça. Puis ça dépend complètement de la palette de couleurs qu'on a choisie. Ça vient aussi du fait que les couleurs n'ont pas du tout la même intensité selon leur teinte. Si le jaune va être beaucoup plus lumineux qu'un bleu, par exemple. Et notre œil va être sensible à ça. Donc, c'est quelque part, c'est biaisé que d'utiliser ça pour faire de la donnée quantitative. On biaise notre perception. La forme aussi, on utilise ça de temps en temps, par exemple dans ce genre de représentation. Donc, on peut se poser la question, est-ce que notre perception est corrélée à un certain canal? Donc ça, il y a des expériences aussi en psychophysique qui ont été faites, et on montre que, ça reconfirme un peu tout ce que je vous disais, mais on a une très bonne corrélation avec la longueur, par exemple. Mais tout ce qui est l'air ou l'intensité lumineuse, on va avoir tendance à sous-estimer les différences. Alors quand on encode comme ça des choses qui sont différents canaux ensemble, il faut avoir à l'esprit qu'ils ne sont pas tous très bien séparables aussi.
certains vont avoir tendance à s'influencer les uns les autres, en particulier la surface. Quand on a une représentation comme ça, où on a à la fois la couleur qui encode quelque chose et la surface qui encode quelque chose, ben, les choses qui sont plus grosses que les autres vont avoir plus d'impact sur nous. Pourtant, elles sont plus grosses, mais pas leur couleur. La couleur, elle ne change pas finalement. Entre, par exemple, ça et ça. C'est la même couleur. Mais la plus grosse bubble va avoir plus d'impact sur nous. Donc il y a une certaine. Elles peuvent s'interférer entre elles. Alors, j'ai dit tantôt, il y a certains canaux qui sont préattentivement perçus. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir une activité cognitive pour percevoir tout de suite quelque chose. C'est en quelques millisecondes. Si je vous montre l'image suivante, vous allez voir le cercle rouge sans même porter attention à ça, finalement. Et peu importe le nombre de cercles bleus, si je vous en mets beaucoup plus, vous allez voir très très vite le cercle rouge. Ça marche aussi pour la forme des cercles et des carrés. Vous allez voir tout de suite. Mais si on fait les deux ensemble, ça ne marche plus du tout. Si je vous dis, par exemple, si vous avez dit, trouvez-moi le cercle rouge ici, là, ça va vous demander une activité cognitive. Il va falloir que vous regardiez, que vous passiez à travers tout. Alors que sur les images de tantôt, vous n'avez même pas besoin de scanner l'image, vous le voyez tout de suite. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées en visualisation aussi. Bon, en pratique, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? On a un jeu de données. On a réfléchi un peu à ce qu'on voulait faire avec, comment on se lance? Pour faire du design de visualisation, il y a deux choses. Il y a une grosse partie design, puis une partie code. Faire du design, ça veut dire que vous allez faire des croquis. Ça veut dire aussi qu'il faut regarder ce qui se fait, et il faut surtout critiquer ce qui se fait en visualisation. Et il faut s'auto-critiquer beaucoup. Il faut montrer, et puis il faut accepter la critique. Il faut avoir en tête un certain nombre de principes de design, comme j'ai commencé à en évoquer certains. Et puis au niveau des outils, c'est à peu près ma seule acétate qui va en parler, là vous avez le choix. Mais finalement, les principes de design, eux, ils restent toujours les mêmes. Après, c'est les outils qui vont vous permettre de les mettre en œuvre plus ou moins facilement. Donc il y a des outils qui sont simples, comme Excel, ou Data Wrapper, qui va permettre de faire des choses très facilement, très rapidement, mais avec une flexibilité forcément un peu plus compromise. Des choses comme Tableau, beaucoup plus de possibilités, un peu plus difficile d'accès. Et puis il y a des choses pour si vous faites des visualisations en ligne, par exemple comme D3.js et du JavaScript. Alors là, c'est carte blanche, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, il faut programmer from scratch. Mais vous pouvez faire n'importe quel design que vous voulez. Donc où est-ce qu'on démarre finalement? C'est un peu la copie blanche. Mais, ah oui, il y avait cet exercice-là. On ne le fera pas là, mais c'est un bon exercice. Si je vous disais, je fais ça avec mes étudiants, proposez trois visualisations de ces deux nombres. Je ne vous dis même pas ce que c'est, 43, 27. Qu'est-ce que vous me proposez comme visualisation? Bon, 95% des choses qui ressortent, c'est ça. Hein, c'est un pie chart, un bar chart, mettre le point sur un graphique. Mais ça, donc pour aller voir, il y a un lien aussi, ici. On peut imaginer plein d'autres manières de représenter ces deux nombres-là. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on est toujours attiré un peu par les mêmes choses, en fait. Donc, il faut arriver à sortir, quand on fait du design, à sortir un petit peu, think out of the box, là. Il faut arriver à faire des choses auxquelles on ne pense pas naturellement. Donc ça vient en faisant des croquis, puis justement en les mettant à la poubelle, et en réfléchissant, et en critiquant, et en acceptant la critique, etc. Fait que oui, il faut faire des croquis, il faut dessiner. Là, justement, sur les visualisations dont je vous avais parlé au début, qu'on a sorties il y a quelques jours, j'ai retrouvé finalement les croquis qu'on avait fait avec nos étudiants. Puis le résultat final, il apparaît là, à un moment donné. Mais on a eu beaucoup d'itérations sur qu'est-ce qui serait le mieux de faire avec ces données-là, et surtout avec l'objectif qu'on avait en tête, qui était de représenter les distributions, justement, comment les circonscriptions se répartissent selon ces indices-là. L'autre exemple, justement, du débat des chefs, on avait deux solutions à gauche et à droite, légèrement différentes. Il y en a une qui avait encodé le nombre d'attaques, l'intensité du nombre d'attaques par la couleur, justement, du flux. Et l'autre, c'est plus la largeur du flux. Chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. Et ça, c'est pour cette visualisation-là, qui a nécessité beaucoup, beaucoup d'itérations. On est passé par tout un tas de designs différents.
Et très régulièrement, à mes étudiants, je leur dis, ok, attends là, c'est quoi l'objectif de cette visualisation? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit visible le plus facilement sur cette visualisation? Et on est obligé sans arrêt de se ramener à ça, en fait. Sinon, à un moment donné, on se perd aussi. Donc, c'est un processus d'itération, de frustration aussi, d'implémentation, de test, d'évaluation, d'observation. Donc, on part toujours un peu d'un vague concept. On fait des premières propositions. On comprend mieux aussi, hein, au fur et à mesure, on comprend mieux ce qu'on veut montrer. Parfois, il faut faire des sacrifices. On se dit, ok, cette représentation, on va peut-être séparer ça en deux objectifs, là, parce qu'on n'arrivera pas à faire les deux ensemble. Une petite critique de visualisation ici. Voilà comment se répartissent les salaires chez Google. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on voit facilement? Est-ce que c'est efficace? Non. Ouais. Moi, j'aime pas la superposition de toutes les cartes, comme ça, c'est confus. Ouais. On est obligé, en regardant, ça ressemble à un ordinateur. Mmh. On cherche le lien, ça prend plus que 2 secondes. Ouais, pas facile à lire. Pas facile à lire, il y a beaucoup de superpositions. Il y a des salaires donc, qui représentent un disque plus petit, qui se retrouvent dessous, on ne les voit pas bien, etc. Je vais vous montrer les mêmes données d'une autre manière. C'est les mêmes données. Alors, parfois, il y a des élèves qui me disent « Ouais, mais c'est moins joli. » Je suis d'accord avec eux, d'abord. Mais il y a toujours un peu cette question qui revient aussi. Si on peut faire un... C'est bien quand c'est joli, mais il ne faut pas que ça soit au prix d'une certaine efficacité, justement. Mais c'est mieux si c'est joli, parce qu'en effet, la personne va être plus enclin à regarder, et à continuer à regarder. Donc il ne faut pas forcément que ça soit austère, nécessairement. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit au prix d'une certaine efficacité. Pourquoi je vous montrais cette critique-là? C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on trouve et qu'on va de temps en temps qualifier de data art ou d'infographie. Je ne sais pas si j'ai d'autres exemples après. Non, j'en ai enlevé. Mais des choses donc, qui ressemblent pas mal à ça. On va mettre des images là-dedans, on va rajouter plein de choses et on tombe plus du côté justement data art ou infographie. Donc, il faut faire attention à ça. C'est une tentation qu'on peut avoir aussi au début, de faire d'abord joli, puis ensuite, on voit si c'est vraiment utilisable ou efficace. Donc, Tuft, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à comment on design tout ça, et il dégage certains principes, comme par exemple l'intégrité graphique, l'auto de mensonge et le ratio data-encre. Je vais y venir ici. Donc l'intégrité graphique, c'est un petit peu comme tout à l'heure avec le bar chart qui n'était vraiment pas du tout corrélé à la hauteur des barres. Là. C'est aussi, bon, peut-être que vous êtes moins concerné vous, mais dans les médias ça arrive. Là, il faut rester intègre quand même avec les données qu'on a. Il ne faut pas forcément, par exemple avec les fausses palettes de couleurs aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut tomber dans ce biais-là, c'est-à-dire de vouloir tellement montrer quelque chose qu'on biaise en fait notre message ici. Donc voilà des vrais exemples qui sont issus, par exemple là c'était Fox, je pense. Donc on coupe complètement la base d'un bar et en fait on a l'impression qu'il y a une énorme différence entre ces deux choses. Alors je ne sais pas si vous voyez les pourcentages ici, mais c'est très proche. C'est 39% et 34%. Voilà la vraie donnée en fait, elle est là. Ici aussi, c'était deux, je pense que je l'ai après, voilà. Ces deux tendances, le nombre d'avortements aux États-Unis et puis le nombre le screening de cancer. Donc on a l'impression que c'est comme complètement lié finalement. Donc ça aussi c'est très facile à faire, c'est une spécialité, c'est des corrélations en fait complètement imaginaires à cause notamment de deux axes qui sont complètement différents. Si on les met sur les mêmes axes, c'est très très différent. Voilà un exemple de ce qu'on appelle des chart junk. Hein, on rajoute plein de choses. C'est super joli,
Enfin, on peut aimer ou pas, mais en tout cas, la donnée, elle est là, en fait, c'est tout. Voilà, d'autres exemples de char junk. Mais même si on n'en arrive pas jusque-là, il y a aussi un bon réflexe à avoir, c'est d'épurer aussi beaucoup. Enlever un maximum d'encre, tout ce qui n'est pas vraiment utile à la donnée, en fait. Donc, c'est le ratio data-encre. Vous avez ici... Donc, on pourrait enlever beaucoup de choses ici. Je vais avoir d'autres exemples après, là, mais il y a beaucoup de choses qui sont inutiles graphiquement ici. Un autre exemple. Donc, voilà, mettons qu'on parte de ça. Puis, Excel, souvent, est assez fort pour faire des choses assez complexes comme ça. Mais on pourrait se ramener à quelque chose de beaucoup plus épuré et simple. D'autres principes, montrer le contexte. Je vais commencer par ça. Ça, c'est un exemple où on a les pertes justement militaires sur un certain nombre de guerres. Si on regarde ce qui s'est passé en Irak et qu'on le met en perspective par rapport à d'autres choses, ben ça dit quelque chose. Évolution de la température, encore, réchauffement climatique. Si on montre juste les 10 dernières années, versus on remonte beaucoup plus loin, on montre du contexte, ça dit quelque chose. La densité de données, c'est le nombre d'items montrés sur l'aire de la visualisation. Et ça, en fait, on sous-estime beaucoup notre capacité à voir beaucoup de données. Au contraire, on surestime souvent notre mémoire. On va avoir parfois ce réflexe, c'est de faire de l'animation, c'est-à-dire montrer des choses, en enlever, en remontrer une autre, en montrer, en enlever, en montrer une autre. Et en fait, ça, on a beaucoup de mal à mémoriser ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que souvent l'animation en visualisation de données, ça ne marche pas très très bien. Si on montre des données temporelles, si on a un jeu de données temporelles puis qu'on montre qu'une facette du temps à la fois, et que notre objectif c'est que de montrer par exemple une tendance dans le temps, ça va être vraiment pas du tout efficace. Et à l'inverse, donc on sous-estime beaucoup notre puissance. Donc il y a eu tout un tas de cartes par exemple extrêmement détaillées au moment des élections ou au moment du nouveau recensement qui a lieu aux États-Unis. Il y a des centaines de milliers de points sur cette carte. C'est un point par foyer, donc imaginez. Et c'est pas grave, on voit des choses. Il n'y a pas besoin d'agréger les données ici. Ça, c'est une représentation des accès sur un serveur dans une université, je pense. Donc il y a des millions d'informations dans cette image. Mais c'est pas grave, on va voir des patterns qui vont se dégager, on va réussir à analyser ce qui se passe à certains moments de la journée ou de l'année, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur, de temps en temps, de montrer vraiment les données dans le détail le plus brut. Crabbe, c'est quatre principes, de design. Contraste, le contraste attire l'œil. Utiliser des couleurs ou des épaisseurs très différentes. Deux polices de caractère, mais pas plus. Répéter dans votre design ce qui se passe. Hein, je pense que ça, c'est aussi des principes qu'on entend quand on fait une présentation PowerPoint, par exemple. Donc, c'est la même chose en visualisation de données. Aligner, soyez vraiment un maniaque de l'alignement. Et la proximité aussi. L'espace entre deux choses, c'est quelque chose qu'on va percevoir tout de suite. Donc ça, c'est plus quand on fait de la composition, justement, dans un tableau de bord, par exemple, la manière d'agencer les choses. Et tous ces principes-là, le fait que ça soit efficace ou pas, ça vient de notre connaissance aussi, de notre système visuel, hein, comment il fonctionne. Quand on cherche des couleurs, ça c'est deux liens que je vous donne, pour avoir des bonnes palettes de couleurs, il y a Adobe, qui est un site qui s'appelle Couleur, et Couleur Brewer aussi, pour faire des bonnes palettes de couleurs sur les cartes. Alors les pie charts, sujet très polémique. C'est quoi les forces et faiblesses d'un pie chart? Alors, qu'est-ce que ça utilise comme canal, un pie chart? Ça utilise le canal angle, hein, c'est l'angle entre deux segments. C'est ça qu'on voit dans un pie chart. Notre œil estime un angle, finalement, et de cet angle estimé, on va en déduire une certaine valeur, finalement. Donc ça, on sait que c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus inefficace. Mais c'est moins efficace quand même que la longueur, par exemple, par rapport à un bar chart. Et il y a beaucoup de pie chart qu'on peut traduire en bar chart. Donc, un des avantages d'un pie chart, c'est que ça va mieux encoder, par rapport à un bar chart, cette notion que c'est une portion de quelque chose.
Hein, c'est le pourcentage de quelque chose. D'accord. Ça, on peut l'accorder au pie chart. Mais on peut quand même l'encoder dans un bar chart, par exemple, si on fait des bar charts cumulatifs. Par contre, dans un pie chart, ce qui va être très difficile, c'est où est-ce qu'on met les labels. Donc souvent, on va les mettre sur le côté. Et aussi, donc on va, s'ils ne sont pas ordonnés, par exemple, les pie charts, ça va être très difficile d'estimer les différences d'angles. Au-delà du fait que notre perception des angles va être moins efficace qu'une perception de différence de taille. Je vais vous montrer un exemple. Voilà un pie chart. Donc déjà, il n'est pas ordonné. On va avoir du mal à estimer finalement les écarts, hors cas très particulier comme la portion verte ici qui est exactement un quart. Mais si par exemple on a deux choses qui sont proches comme les deux bleus en haut, lequel des deux est le plus grand, puis dans quelle mesure il est le plus grand, c'est pas facile. Si on se met à les ordonner, bon déjà on va savoir quel est le plus grand plus facilement parce qu'ils sont justement dans un ordre. Mais si on veut vraiment avoir la perception des valeurs précises, ce qu'on va retrouver de temps en temps, c'est qu'on va mettre carrément les valeurs. Hein, donc 1%, 7%, 10%, 25%, etc. Mais ce n'est pas encore facile parce qu'on est obligé sans arrêt de revenir à ça. Ah oui, 25%, mais alors c'est quoi c'est, ah oui, c'est compagnie C. Mais alors lui, c'est 10. Ah attends, alors c'est compagnie. Pas très efficace. Donc finalement, parfois on voit ça. Bon, on met tout. On met tout autour du parchat. Ah ouais, ok, là je peux voir facilement. Ça c'est compagnie C, 25%. Mais en fait, on ne regarde plus le pie chart. Tout est autour finalement. Finalement, on peut autant faire un tableau. Hein, ça sera encore plus simple. Ou un bar chart. Mais quand on en est arrivé à faire ça, finalement, ce qui est au milieu, on ne le regarde plus vraiment. Bon, ça c'est le pie chart préféré des profs en visualisation. Bon, il y a aussi les donut charts. C'est la même chose en fait. Hein. On est toujours en train d'encoder l'angle avec certaines valeurs. Donc ça, c'est une visualisation où on a demandé à certaines personnes à quelle fréquence vous utilisez certains matériels informatiques pour regarder de la vidéo. Donc votre ordinateur, la télévision ou tout autre type de support, type tablette, cellulaire, etc. Donc vous avez trois donut charts ici. Comment on pourrait un petit peu le redesigner ça? Puis ça, c'est un exercice aussi qui est assez pédagogique. C'est que vous partez d'une visualisation, puis vous réfléchissez à comment on aurait pu le faire différemment. Donc voilà une autre représentation, cette fois en bar chart. On a mis par groupe de fréquences, donc par exemple plus qu'une fois par jour, une fois par jour, plusieurs fois par semaine, etc. Quelle est la force de cette représentation-là? C'est facile de comparer différents matériels. Si je regarde la télé d'une catégorie à l'autre, je vais tout de suite voir lequel est le plus utilisé ou pas. On n'a pas besoin de mettre des labels. Et la catégorie de fréquence est très visible ici. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que ça? Si on veut être capable à la fois de voir efficacement par type de matériel et par fréquence ensemble, ce qui n'est pas facile ici. Si on veut y aller par type de matériel, ils sont tous distribués justement selon les fréquences. Est-ce qu'il y en a qui auraient des idées? Non? En fait, faire les deux axes, prendre les deux variables ici, puis les mettre sur deux axes. Ok. Ah oui, d'accord. Ok, oui, on pourrait faire ça, mais. Une autre représentation encore serait de faire une carte de chaleur. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça? Hein, donc on prend nos deux variables ici, puis on les encode sur les deux dimensions finalement. Donc on a en abscisse ici la fréquence et en ordonnée le matériel qui est utilisé. C'est ce qu'on appelle une carte de chaleur. Et ça permet de voir par exemple assez facilement ici que on regarde beaucoup de vidéos.
Quel que soit finalement le support, c'est très sombre à gauche là-bas, c'est qu'on regarde beaucoup de vidéos. Et ce qu'on pouvait faire tout à l'heure avec l'autre, on peut le faire ici aussi. Non? Quelques derniers conseils, surtout si vous voulez quand même raconter quelque chose avec votre visualisation. Donc on peut donner la visualisation finalement sans vraiment faire de storytelling par exemple. Ça c'est quand on veut être le plus neutre possible. Mais on peut aussi, dans les médias, ils le font, montrer ce qu'il faut regarder. Hein, prendre un peu la personne, l'utilisateur par la main pour lui dire bah, « Ok, voilà la visualisation, mais ce qu'il y a le plus intéressant à voir, c'est ça. » Donc là, on peut jouer sur les titres, sous-titres, annotations, saturations. Donc, par exemple, deux exemples sur les crèmes glacées. Quelque chose de très neutre à gauche ou au contraire, voilà, le chocolat, c'est la saveur la plus aimée dans les crèmes glacées. On met en relief la première ligne. Voilà, donc on peut jouer sur ces éléments graphiques-là pour appuyer une certaine histoire. Mettre certaines courbes en surbrillance isolée, donc avec une certaine désaturation ici, laisser une autre en couleur. Pointer sur certaines valeurs de la courbe. Voilà. Quel est le message qu'il faut retenir aujourd'hui ? À nouveau, explicitez, puis posez-vous la question de c'est quoi le but de cette visualisation ? Qu'est-ce que je veux faire avec ? L'autre question qui est très utile à se poser en permanence quand on itère, justement, c'est qu'est-ce qui est visible dans ce design-là ? Qu'est-ce qui est le plus efficacement transmis avec ce design que je suis en train de faire là ? Puis en fonction de ça, ben, vous allez avancer. Et aussi, quelle pourrait être une visualisation alternative ? Repartez de zéro à un moment donné, puis repartez de vos objectifs justement, puis essayez de trouver quelque chose de complètement différent. Voilà un petit peu les 10 principes qu'on pourrait retenir. Fait que je ne sais pas si on va avoir le temps de faire un atelier. Je pense que oui. Donc on va faire ce que j'appelle moi un studio design. Fait que je vais vous présenter un jeu de données, puis vous allez essayer justement de réfléchir à ce qui serait bien de faire avec et comment le faire. Donc les restaurants à Montréal. Il y a un site que vous connaissez sûrement qui s'appelle Yelp et qui a une API, d'accord. On peut se connecter au site et scraper beaucoup de données sur ce site, c'est vrai. Donc on peut extraire de ça énormément de choses. Par exemple, le type de restaurant. On va se fixer à Montréal. Le type de restaurant, l'adresse, évidemment, le numéro de téléphone. On va dire qu'on a aussi la distance à une certaine adresse, qu'on utiliserait Google Maps pour ça. Les reviews, combien il en a, quelles notes il a eu, les critiques, les horaires et les jours d'ouverture, la gamme de prix de ce restaurant, d'autres infos comme est-ce que c'est accessible au fauteuil roulant. Est-ce que ce restaurant livre ? Est-ce qu'il a un permis d'alcool ? Ou est-ce que ça a apporté votre vin ? Toutes les infos que vous pouvez imaginer, dites-vous que vous les avez. Ok ? On ne va pas se limiter. On va dire que vous avez cette base-là. Maintenant, je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Et à votre avis, quelles questions intéressantes on pourrait essayer de répondre avec ce genre de jeu de données-là ? Donc, je vous laisse réfléchir 5 minutes. Et on ne réfléchit pas là en termes de design. Hein. Juste, qu'est-ce qui serait rigolo ou intéressant, puissant ?
De la forme comme canal. Vous avez montré dans le fond des hommes et des femmes. Enfin, ouais. Mais il y avait également une couleur. Oui, c'est vrai. Donc est-ce qu'on. Se faire redondant. Ouais. Ouais. Est-ce que. Mais dans ce cas-ci, si on mettait juste la forme, ça serait pas aussi détectable ou est-ce que ça serait. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Mmh. Ouais, parfois il y a. Donc la forme ici n'apporte rien à part un élément d'art. Oui, oui. C'est pas une visualisation que je préfère là, mais ouais, en l'occurrence la couleur suffirait largement. Ouais. Ah pardon. Est-ce que sur le site formation, il y avait le lien tout au début. Ah ok. Ça va être sur le site. Ouais, ah bon d'accord. Je me demandais toutes ces questions, mais en même temps. Donc pour moi, je ne comprends pas l'utilité de décortiquer. Je me demandais, ok. Ça, c'est pas des questions, hein, c'est des données. Ouais, mais c'est ça, mais je voudrais savoir toutes ces données en même temps. Toi, tu aimerais les avoir toutes en même temps. Ouais, c'est un background wine italien, que je trouve proche de chez moi, qui a des bons reviews, et qui est encore ouvert. Ça, c'est si tu as trouvé un restaurant. Oui, mais comment tu chercherais? Ça serait juste, tu voudrais chercher selon tous ces critères ensemble? Ouais. Quand tu vas à un restaurant. C'est pour ça que je fais mes recherches à la base. Ouais. Et de là, c'est là qu'il y a la vision. Pour moi, c'est la vision de la plus intéressante, la vision de la plus Quand je dis qu'il faut trouver les bonnes enfin les questions, ça ne veut pas dire qu'on va cacher certaines informations. Hein. Ça veut dire qu'on va en mettre peut-être certaines plus en avant que d'autres, ou des moyens de chercher à travers certains critères. Hein. Un exemple ? Je peux avoir deux utilisateurs possibles. Un premier, c'est quelqu'un qui cherche un restaurant. Puis il aimerait savoir, il n'a pas de voiture, il voudrait un outil qui lui permette de savoir effectivement quels restaurants sont, selon ces critères-là, mais proches d'un métro. Ou à moins de 500 mètres d'un métro. Mais en même temps, il veut savoir si c'est ouvert, si c'est voilà, achalandé, etc. C'est ça. Un autre utilisateur, ça serait. Par exemple, quelqu'un qui ferait plus comme une étude sur Montréal, il voudrait voir la distribution des restaurants en fonction de l'achalandage, la distribution des restaurants en fonction de est-ce que c'est accessible un fauteuil roulant, etc. Puis il voudrait voir. Voilà, ce ne serait pas la même chose, tu vois. Ouais. C'est pas la même chose, du coup. Thank you.
la note par rapport au prix. Puis on s'est dit genre le prix ça va être une couleur par rapport à un quartier genre. Mais pour faire c'est quoi trop, pour en fait démontrer genre la différence entre le prix des restaurants et les notes. Ok, d'accord. Mais pas par rapport au quartier. Hein? Pas par rapport au quartier. Ouais, en fait, on pensait à la carte, c'est le moment que les données vont être un peu limitées à la fin, genre si on fait moyen, c'est tout ça. Donc, c'est plus par code postal, c'est un peu plus difficile. Ok. Donc, on représente en fait la note. Parce que, genre, si on met juste des étoiles sur chaque postal, mais là, ça va être trop de données, peut-être sur la. Ouais. Non, ça marche pas. Si ton but c'est d'arriver justement à dégager une certaine corrélation, ça va être très difficile de juste voir plein d'étoiles partout. Puis... Tu verras pas. Alors que si tu le. Si par exemple chaque restaurant c'est un point, puis que la couleur, enfin l'intensité lumineuse de ce point c'est la note, ça va être plus facile. Là, tu vas avoir comme des endroits très lumineux, ça sera comme c'est chaud quoi, c'est là où c'est très cher ou très une bonne note finalement. Là tu vas le voir tout de suite quoi. Alors si c'est juste une accumulation d'étoiles, ça va être à mon avis. Ok. Ok. Qui a eu des bonnes idées? Avec des exemples de questions alors, qu'on pourrait se poser. Je parle pas de design. Hein. Quelles questions vous aimeriez finalement poser avec ce jeu de données? Comment la proximité du même type de restaurant a une influence sur le rating du restaurant? Quand tu dis type de restaurant, ce serait quoi par exemple? S'il y a plusieurs restaurants chinois qui sont un à côté de l'autre, est-ce que ça influence le rating négativement versus par exemple un quartier qui a un restaurant chinois et peut-être que les gens apprécient plus parce qu'ils ont moins d'options? Ouais, c'est une bonne question, mais c'est une super bonne question. Mais. Enfin, c'est pas facile à y répondre. Mais. Mais en tout cas, c'est une bonne question. Ouais. On peut imaginer, je pense, des choses intéressantes. Ouais? Le temps qui me reste pour manger au restaurant, en fonction de son heure d'ouverture et de son heure de fermeture, et le temps que ça me prend pour me rendre. Ok, donc je pense, je me balade dans la rue, il faut que je trouve un restaurant, j'ai faim, mais il est quand même 21h. C'est quoi entre le plus proche en temps de marche, puis l'heure de fermeture, où est-ce que je peux aller, combien de temps je vais avoir pour manger finalement? Ça. Ouais, super bonne question. Moi, d'autres? La gamme de prix par rapport à la revue. La revue? Oui, la review, là. Ah. Par rapport à la gamme de prix, est-ce que les restaurants les plus chers ont la meilleure note là? Donc, comme. Voir un peu statistiquement, est-ce qu'il y a une corrélation entre ça, entre ces deux variables-là, ouais. Pour démontrer peut-être qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Mais juste, ouais. Les restaurants qui sont très chers, est-ce qu'ils ont la meilleure note? Ça veut dire que forcément c'est la meilleure note. Rappelle-moi ta question à toi. Ouais. Moi, c'est l'incidence de la proximité du même type de restaurant. Au nombre de reviews, okay. Si on a un restaurant chinois, ouais, il y a ouais. Plusieurs restaurants chinois. D'autres questions? Ouais. Suggérer un restaurant random, on va random. Random? Yeah, une suggestion random. En fond, de mes zéro critères même. Oui, like, juste une portion. Mais si c'est juste tirer au hasard un restaurant, non, il faut quand même qu'il y ait des critères. C'est okay. Beaucoup d'options. La suggestion de restaurant, finalement. Ok. C'est un petit peu pour moi sur ça, par une note. Ah, essayer de proposer. Après, le weight il est différent. Ouais. Peut-être qu'on doit. C'est pas le permis d'alcool, moi, c'est pas important. Ouais, c'est important. Mais pouvoir en tout cas trier tous les restaurants en fonction de ses propres critères. Quoi. Ouais. Donc ça c'est un outil, plus comme un outil d'exploration, il y aurait pas mal de contrôle, on veut laisser du contrôle. Alors qu'il y a certaines questions ici, c'est plus comme des hypothèses, on fait une hypothèse. Il y a une corrélation entre le prix et puis la note, ou j'ai déjà oublié, je sais qu'elle est intéressante.
À chaque fois que tu me dis, je me dis, c'est une super bonne idée. La densité de l'endroit. Ah oui, c'est ça. Mais ça aussi, c'est une hypothèse, finalement. Ouais. Bon, pour moi, les trois types de restaurants les plus populaires par quartier. Ok, en fonction de leur note. En fonction de leur note. Ouais. Quand j'écoute vos questions aussi, la question, ce que je me dis, c'est. Je suis déjà en train de réfléchir en termes de design, c'est. Est-ce que ce serait mieux de faire ça avec une carte ou pas? Parce que ça, c'est une tendance naturelle qu'on a aussi, une mauvaise tendance naturelle, c'est qu'on veut faire tout le temps des cartes. Puis s'il y a quelque chose aussi que je peux vous donner en partant, là, c'est posez-vous la question, quand vous faites une carte, est-ce que vraiment j'ai besoin de faire une carte ici, là, avec ça là? Est-ce que ce ne serait pas plus simple ou plus convaincant, plus efficace de faire pas avec une carte? Il y a certaines des questions ici où je me suis dit, ça, faut pas le faire, ça, la question ici, ce n'était pas avec une carte. Ouais. Est-ce que faire un graphe, ça va considérer ça dans faire une carte? Un graphe, c'est-à-dire? Un graphe, genre un niveau, sommet. Ah ben, ça dépend s'il est. En théorie, un graphe pur, la position des nœuds n'est pas géographique. Mm-hmm. Donc, non, pour moi, ce n'est pas une carte. Mais par exemple, si on se met à faire des nœuds qui sont répartis géographiquement, où il y a quelque chose de géographique. Ouais. Ouais. Comment l'accessibilité au transport en commun a une incidence sur le nombre de consommateurs? Oui, ou le nombre de reviews aussi, okay. L'achalandage. Ouais, ouais. Ça, c'est des bonnes. C'est des hypothèses finalement. C'est parce que je discutais tout à l'heure avec une des personnes, puis elle me disait, moi, je vois qu'une seule chose finalement, c'est je voudrais chercher à travers toutes ces choses-là. Je cherche un restaurant, j'ai envie de savoir tout finalement. Puis je disais justement, oui, mais parfois on peut se poser des questions plus de curiosité presque. On émet des hypothèses et on veut savoir si elles se vérifient ici. Ouais. D'autres questions? J'ai l'impression qu'on peut couper aussi les questions, les hypothèses par catégorie. Il y a par exemple une question de si on veut choisir un restaurant. Ouais. Si on veut choisir un quartier, ou ouais. Si on veut se poser une question plus sociale. Ouais. Fait que j'avais des exemples de questions de précédentes années. Donc par exemple, je circule en métro à une certaine heure. Quels restaurants sont accessibles à moins de 500 mètres de cette station de métro? Parce que moi, j'ai pas de voiture. Et dans quel quartier trouve-t-on beaucoup de restaurants indiens? Puis quelles sont leurs notes? Parce que moi, j'aime beaucoup les restaurants indiens. Puis je suis toujours en train d'essayer de dénicher les restaurants indiens, mais que je veux juste voir ça. Quels restaurants abordables et à portée votre vin sont ouverts aujourd'hui près de chez moi? Plus des hypothèses. Okay. Comment la gamme de prix varie à l'échelle de Montréal? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la gamme de prix des restaurants et le revenu des quartiers? On pourrait aller chercher des données de recensement, par exemple. Bref, et aussi, c'est un peu un biais que j'ai, mais c'est quelles bonnes histoires on peut raconter sur Montréal à partir de ce jeu de données-là. L'étape 2, mais là, je ne sais pas si on aura le temps, ben, c'est... Prenez votre question et maintenant, en l'ayant bien en tête, essayez de penser à un design qui permettrait de répondre à cette question. Et j'ai pas parlé d'interaction aujourd'hui. Mais c'est un élément important aussi dans une visualisation. Là. Qu'est-ce que la personne peut faire? Sélectionner, cliquer, etc. Qui peut l'aider justement à... Je ne sais pas si certains veulent partager avec nous justement leur proposition de design par rapport aux questions qu'ils ont eues. Alors d'habitude, moi je suis en classe, j'ai un tableau, puis les gens viennent dessiner. Mais là, j'ai pas ça. Donc, ce que je peux vous montrer en tous les cas, c'est une proposition de design par rapport à un objectif sur un jeu de données équivalent, c'est les restaurants à Boston là. Mais c'est, c'est quoi les restaurants qui sont à distance de marche d'une station de métro? Et ensuite, je peux vouloir filtrer ou trier ces restaurants en fonction de leurs notes. Est-ce qu'on a besoin de représenter ça de manière réaliste, géographiquement? Non, je m'intéresse au réseau du métro. Je peux prendre une représentation du réseau du métro classique. Là.
Et ensuite, en chaque station de métro, selon mes critères, par exemple ici les restaurants italiens, je vais voir, il y a des quartiers où il y a beaucoup de restaurants italiens, d'autres il y en a moins. Mais là, je suis jamais allé par là. Est-ce que c'est intéressant? Fait que là, il y a un encodage aussi du nombre de reviews qui ont été faites sur ces restaurants. Fait que je vais voir les restaurants qui sont populaires ou pas. Fait que ça me permet rapidement de voir la distribution finalement des restaurants italiens à l'échelle du réseau de métro, à distance de marche, là, en fonction du nombre de reviews. Fait que ça répond à cet objectif-là. Si je veux sélectionner un restaurant selon cette approche-là, selon ce genre de critères-là, ce genre de représentation va être assez efficace ici. Alors, je ne sais pas comment on peut partager un petit peu les designs que vous aviez eu par rapport à vos questions. Vous pouvez par exemple venir ici, rappeler votre question quand même, puis essayer de montrer ou expliquer en tous les cas qu'est-ce que vous proposez de faire. Ouais. Est-ce que alors vas-y, va ici. Question on s'est posée ou sur la question qui était affichée au tableau? Je fais les deux. La question que tu t'es posée. Ok. Donc la question que je m'étais posée, c'était de savoir le temps qu'il me restait pour manger dans un resto en fonction de sa date, de son heure de fermeture et du temps que ça me prendrait à me rendre. Donc j'ai représenté ça à partir d'un cercle avec le nombre. Le restaurant va être dans une certaine direction, donc par rapport à où je suis. Peut-être mets-toi là, comme ça ça va être éclairé en blanc. Ok, voilà. Donc, on a un cercle, on a la direction qui montre où est-ce qu'il faut marcher pour aller vers le restaurant. On a la longueur ici qui donne le temps jusqu'à la fermeture, dont une partie est consommée en noir, qui indique le temps que ça me prend au moment. Et puis, la largeur de la barre indique le review moyen, la note moyenne. Donc plus c'est fin, moins le resto est bien coté, plus c'est large, meilleure est la cote du resto. Super. Pas mal du tout. Ah ouais, c'est super intéressant. D'autres propositions? Non? Comme tu veux, comme vous voulez. La question n'était pas très facile. On a essayé de voir l'incidence de la distance du type de restaurant versus le nombre de reviews et la qualité des reviews qui est donnée. Fait que maintenant, s'il y a plusieurs restaurants chinois à côté de l'autre, est-ce qu'il y a beaucoup de reviews pour les restaurants chinois? Est-ce que les reviews sont bons? Fait que comment on a décidé de faire, on a fait un plot sur la distance entre le restaurant le plus proche dans la région. Fait que mettons, on prendrait Montréal, ça serait la distance entre les deux restaurants chinois les plus proches. Fait que on y va par exemple au quartier chinois, puis on a plusieurs à mettons 10, 20, 30 mètres un de l'autre. Comme ça, on a plot les star ratings, slow and easy. Puis la taille du sub, c'est le nombre de reviews. Fait que si on sait par exemple que il y a beaucoup de restaurants du type chinois qui sont environ à 50 mètres un de l'autre, puis le rating moyen c'est genre 3,2 étoiles. Fait qu'on sait que, par exemple, on pourrait tirer du potentiel de ça si on met un restaurant chinois dans une place où il y a un restaurant chinois, mais la compétition devient plus grande, fait que les ratings en moyenne descendent. Mais on peut aussi voir que, par contre, il y a beaucoup de monde qui mange dans ces restaurants-là parce que justement il y a beaucoup de restaurants qui sont un côté de l'autre. Fait que genre plusieurs hypothèses que tu peux tirer de plusieurs façons différentes. Puis, c'est ça. On a colorisé les cercles en fonction du type de restaurant. On n'a pas de crayon de couleur. Mais les cercles font des couleurs différentes avec les noms. Mais chaque item ici chaque représente item, quoi? Chaque item, c'est un type de restaurant différent. Donc, mettons un restaurant grec, un restaurant. Ça serait par exemple un restaurant chinois qui sont environ de 10 à 50 mètres l'un de l'autre. Mais comment tu les construis ces items? Ces items-là sont construits à partir de la distance de l'ordre. Oui, mais par exemple, je prends lui. Ouais. Lui, ce serait, je donne un exemple encore avec les restaurants chinois. Oui, mais restaurant chinois à 10 minutes. Non, ça c'est à distance. Fait que mettons, restaurant chinois à 20 mètres ou 50 mètres, je ne sais pas si on plotterait genre un mais dans la base, dans ta base, c'est vraiment base une paire de restaurants qui sont... C'est ça, à 20 mètres l'un de l'autre. Ça constitue ça. Un point? Ça constitue tous les restaurants qui sont à cette distance-là. Chinois. Chinois.
C'est ça. Fait que ça prendrait tous les restaurants qui sont okay. à environ cette distance un de l'autre et ça les mettrait dans un regroupement. Fait que tu aurais d'autres, éventuellement d'autres restaurants chinois qui se promènent d'autres restaurants chinois qui se promènent ici. Par exemple, ici tu pourrais voir, par exemple, à 2,5 à 5 ou 10 km de distance, fait que tu aurais des quartiers qui sont plus, par exemple, dans l'Ouest de Montréal ou hors de la région métropolitaine, puis il y aura un restaurant afghan, puis le restaurant afghan le plus proche est à 5 km, 10 km de lui, puis okay. par exemple, au centre-ville. J'ai une question. Le rating serait différent, puis la taille de la. Est-ce qu'il y a un encodage, est-ce que ce point, si ça représente un deux restaurants ou 100 restaurants? Mais comment moi j'ai pensé à plot cette différence, c'est par le nombre de reviews. Fait que si on a un cercle qui est vraiment grand, mais on sait qu'il y a par exemple 10 ou 20 ou 60 ou mettons 1000 reviews, on pourrait prendre conclusion qu'il y a plusieurs restaurants dans ce cluster. Ah, ben, peut-être pas, non? Peut-être que c'est un restaurant ouais, qui a reviews, mais il y a vraiment beaucoup moins de chance. Souvent, les restaurants qui ont plus de reviews sont situés dans des places où il y a plus de monde, plus d'achalandage, puis il y a plus de types de restaurants dans cet endroit. Mais c'était pas ce que tu voulais justement voir, la corrélation avec le nombre de reviews? Non, ce que je voulais voir, c'est la corrélation entre la distance de ton compétiteur ouais. le plus proche et l'incidence sur la cote que tu as dans ton restaurant. Ah, OK, la valeur de la cote. Là. La valeur de la okay. cote. Fait que, mettons, si j'ai un restaurant italien à ouvrir, où est-ce que je vais l'ouvrir? Si j'ai une réponse ici que la distance de 10 km, c'est optimal parce que les ratings okay. sont élevés, ils me donnent des cotes élevées, puis c'est assez loin que genre, les critères sont plus bas. Peut-être que je vais m'installer dans une place qui n'a pas encore de restaurant. Ok, c'est bon. C'était compliqué là, mais genre, c'était pas facile à suggérer de créer quelque chose en place là, sans carte ici là. Ok, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, oui? J'ai une alarme. Ah, ben viens, vas-y. Du coup, l'idée, c'est que je voulais acheter un appartement. Et donc, quelque chose que je vais regarder, c'est le nombre de restaurants dans ce quartier. Donc, il y a trois agrégats que j'ai choisis. C'était le nombre de restaurants, le type de restaurant et la note. Donc, j'ai fait une sorte de map comme ça, qui va être pour chaque quartier. Donc, déjà, la taille de mon cube, il va être basé sur le nombre de restaurants total qui va être offert. Après, pour chaque type de restaurant, il y aura un petit cube dedans qui va être avec le nombre de plats. Par exemple, s'il y a une vingtaine de restaurants japonais sur le plateau, il y aura 20 petites bulles à l'intérieur de mon plat ici. Et en fonction de la note que ces restaurants auront, je pourrai avoir une couleur qui va être plus ou moins nuancée. Ça fait beaucoup, je sais ce que vous disiez, mais j'essaie de le voir comme ça. Donc, c'était la taille et la couleur, et l'idée, ce serait de faire ressortir, par exemple, dans certains quartiers où il y aurait peut-être beaucoup de restaurants, une moyenne assez basse pour l'ensemble de l'offre de restauration, mais on pourrait faire voir ressortir qu'il y a par exemple une très bonne spécialité dans les restaurants afghans, par exemple de l'Afghan, sur Côte des Neiges. Et on pourrait peut-être justement voir qu'il y a une communauté afghane, donc on pourrait essayer de voir, enfin faire ressortir d'autres critères à travers cette visualisation. C'est comme ça que je voyais. Et là, ce que tu as là, c'est. Ça, c'est le nombre quartier. Global de restaurants. Dans un quartier. Dans un quartier. Tu as le quartier qui est comme ça. Donc Griffington, par exemple. Ouais, et à l'intérieur, ça, c'est un autre quartier. Ouais, ça, c'est un autre quartier. Donc en fait, ce serait une map, mais qui serait pas. Un peu comme ta map de métro. Ouais. L'idée, ce serait plus de vous faire voir, à réapparaître les quartiers, il y a le plus d'or. Après, de faire une moyenne quand même pour voir. Par exemple, dans Griffington, la moyenne, elle est 4,2. Mais sachant que tu déformes quand même pas mal chaque quartier, là. Ouais. D'ailleurs, la forme ou la taille en tout cas de ce quartier va beaucoup dépendre du nombre de restaurants qu'il y a là-dedans. Ça. Exactement. Est-ce que tu as besoin quand même de les placer les uns comme ça par rapport aux autres qui vont avoir des formes très différentes pour pouvoir les comparer, justement un peu d'un quartier à l'autre. Et le fait qu'ils ne soient pas un peu tous sur le même niveau, tu vois. Okay. J'aurais un peu peur que ça ne soit pas efficace justement pour faire de la comparaison d'un quartier à l'autre. Si le but c'est vraiment dur, moi, je veux m'installer dans tel ou tel quartier. Est-ce que j'ai besoin de savoir finalement en même temps où est-ce que les autres quartiers aussi? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas prendre juste quartier par quartier et faire une représentation plus homogène d'un quartier à l'autre? Donc, tu ferais quoi? Tu prendrais quoi comme exemple? Peut-être quand même garder cette idée d'un carré ou d'une forme homogène pour représenter un quartier. Et à l'intérieur, ça, je trouve que c'est une bonne idée de. Que ça se découpe en fonction du genre de restaurant qu'il y a là-dedans et du nombre de restaurants qu'il y a dans cette sous-catégorie. Ça fait pas trop de catégories du coup Non, et par exemple, si tu prends la petite patrie, tu aurais comme un carré de la petite patrie, puis un gros carré italien par exemple.
puis quelques quartiers, quelques restaurants asiatiques, etc. Mais moi, si en tout cas je serais dans l'idée de m'adresser, voilà, si ça serait par exemple, bon ben, quel quartier choisir pour si vous aimez les restaurants, pour vous installer, là. Peut-être les mettre quand même les uns à côté des autres, tu sais, comme Petite Patrie, Plateau, Refinta, etc. Mais les agencer vraiment sous la forme d'une carte un peu déformée, ça va t'obliger, je pense, en tout cas, là, maintenant tu l'as représenté là, mais à déformer un peu chaque quartier, tu vois. L'idée, c'est de faire justement apparaître une distorsion entre justement des cartes qui vont avoir énormément de taille comparé à d'autres. Et de le mettre un peu en rapport avec la moyenne totale des restaurants ou des quartiers où il y a beaucoup d'offres de restauration, de faible qualité. Donc si tu veux quand même qu'on puisse voir tout ça ensemble, et un des objectifs serait quand même de voir la distorsion d'un quartier à l'autre, ok, mais je garderai quand même une représentation homogène d'un quartier à l'autre. Je les collerai peut-être juste en carré, puis j'essaierai de faire une carte de Montréal comme ça avec des carrés qui se déforment, là, les placer les uns par rapport aux autres, mais c'est tout un challenge là. Parce que si vraiment chaque quartier a une forme différente, tu vas avoir beaucoup de mal à comparer. Par exemple, si tu as deux quartiers où il y a beaucoup de restaurants italiens, mais que la forme de ton quartier influence la forme de la partie italienne, tu vas avoir du mal à comparer si c'est ce quartier-là ou l'autre qui a le plus de restaurants italiens, par exemple. Parce que tu auras peut-être un rectangle très fin d'un côté, et de l'autre, ça sera peut-être une autre forme. Ça va être très difficile là, d'estimer justement la différence entre les deux. Je vais peut-être te dire que oui, il y a beaucoup d'Italiens dans les deux, mais tu ne pourras pas trancher vraiment, tu vois. Okay. Il faut penser à ça, à garder les choses le plus souvent quand même sur un pied d'égalité, parce que ça permet de faire des comparaisons. Puis les comparaisons, c'est un des exercices les plus communs qu'on fait quand on regarde une visualisation. C'est très souvent, c'est parce qu'on veut comparer des choses. Super. Non, mais en tout cas, c'est une bonne idée aussi. C'était juste apporter votre vin, ça ? Si tu utilises Google Maps, tu vas, mettons qu'il y a un filtre possible, apporter votre vin. Ensuite, tu vas avoir pour chaque restaurant la note Google Maps classique. Tu vas quand même juste avoir, si je prends vraiment Google Maps, là, la carte Google Maps avec des punaises. Puis il va falloir, si je ne me trompe pas, là, il va falloir que tu cliques quand même sur chaque restaurant ou tu vas avoir la liste sur le côté de tous les restaurants. Mais tu ne pourras pas voir en même temps sur la carte, parce que j'habite là, je veux savoir ce qu'il y a autour, et la note, et quel restaurant c'est finalement. Tu vas être obligé de passer dans la liste. Ah, lui, il est quand même bien noté, je clique dessus, ah, il est là. Tu vois, ou lui, ah, je clique dessus, il est là en fait. Donc oui, on peut faire mieux sur cette question que le Google Maps classique. C'est une carte tout simplement où tu vas, par exemple, la valeur de ton point sur la carte aura la valeur de la note, tu vois. Là, sur ce coup-là, c'est pas trop difficile de faire mieux. Mais c'est aussi parce que Google permet de faire beaucoup plus que ça. C'est pas juste cette question-là qui les intéresse, tu vois. Mais une carte, oui, où tu verrais chaque punaise, son intensité est corrélée à sa note. Tu verrais les quartiers, justement, si tu vois plein d'accumulations de points un peu lumineux, chauds, bah, tu te dirais, ah ouais, ce quartier-là, c'est pas mal. C'est bon. D'autres questions ? Ouais. Présentement, on est tous en train de faire un genre d'étude de marché. On est en train de poser des questions spécifiques en phase découverte pour aller chercher des patterns, des comportements que nos futurs utilisateurs ou clients vont adopter ou sont en train d'adopter présentement. Ma question est plus dans comment on fait pour nous-mêmes en tant qu'équipe pour être capable de ressortir les éléments dans toute la mer d'entrevues qu'on fait, dans toutes les informations qu'on a. Est-ce que tu aurais une approche à nous suggérer pour mettre en évidence certains aspects en une heure versus d'autres? Les réponses ne sont pas toutes homogènes. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu me dis, c'est que
vous avez des gros jeux de données, puis avant même d'essayer de réfléchir à ce qui serait intéressant de montrer à un client, même nous juste se rendre compte de ce que contient d'intéressant un jeu de données. Exactement. C'est ça. Ben là, il faut analyser votre jeu de données de votre côté. Puis, tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, ça demande beaucoup d'efforts aussi. Et c'est quand même quand on a un objectif en tête. Mais effectivement, il y a ce travail préliminaire, souvent, j'en ai pas parlé, qui est d'essayer juste de comprendre déjà un petit peu ce qu'il y a dans votre jeu de données. Puis souvent, c'est ça aussi qui va éveiller certaines questions intéressantes. Là. Mais là, c'est plus de l'analyse de données, de ce qu'il contient. Donc, faire des coups de sonde dans votre donnée, de regarder à quoi ça ressemble. Faire des premières visualisations, oui. Prendre chaque attribut, voir comment il se distribue. Mais c'est difficile parce que de temps en temps, les choses les plus intéressantes nécessiteraient de faire des visualisations assez complexes en fait. Mais qu'on fait quand déjà on a l'intuition que ce truc-là va être intéressant. Donc ça vaut pas la peine, puis c'est très difficile à faire de toute façon de se lancer dans des visualisations complexes juste pour explorer ce qu'il va contenir, tu vois. Donc, faut réussir en... Ouais. Mais les visualisations classiques, là, faire des scatter plots ou des graphes de tous les attributs petit à petit, on voit ce qu'il contient. Surtout quand on a des très gros jeux de données, ouais. C'est difficile de se rendre compte. Mais là, pour le coup, des indices statistiques aussi, ça peut être intéressant. Des moyennes, écart types, etc. Là. Ouais, pour se rendre compte de choses étonnantes ou des tendances qu'il y a dans ces jeux de données-là. C'est bon ? Ben merci beaucoup.